Bonsoir à tous et à tous. J'ai bien vérifié si j'étais sur les bons sites. Je suis sur les bons sites. Donc voilà. Ah rien. Et maintenant, voici une nouvelle pièce de théâtre. Ah rien. Et ça va s'appeler. Voilà. Et ça va s'appeler Antoine est coincé dans un ascenseur. Rien. Je vais chercher le matériel, excusez-moi. Voilà. Voilà. Ah oui, le système pour téléphoner gratuitement là, qui s'appelle Apple ou non pas Apple, enfin bref là, ça va devenir payant. Et oui, ça va devenir payant et ça appartient maintenant à Facebook. Donc voilà. Google voulait l'acheter, mais ils n'avaient pas les moyens, alors voilà. Donc voilà. Et à partir du 1er juin, toutes vos photos dans Google Photos vont devenir payantes. Donc voilà. Et certains abonnés sur YouTube vont devenir payants aussi à partir du 1er juin. Donc voilà. Ça, vous le savez, hein. Voilà. Donc, voilà. Et pour certains. Allez. Et pour les acteurs ou les chanteurs, leur site sera payant sur Facebook. Voilà. Enfin, leur vidéo, quoi. Hein. Leur vidéo, voilà. Donc, voilà. Et la vidéo en direct sur YouTube, si c'est une simple personne comme moi, ce sera gratuit. Si c'est une star, ce sera payant. Et si c'est une star de et si c'est un Français, ce sera le double, plus cher pour lui, enfin pour eux. Donc voilà. Et tout ça en juin. Ouais. Tout ça le 1er juin. Et ouais. Et c'est vrai, hein. Ça a été dit il y a une semaine ou deux, hein. Donc, bon. Et donc voilà. Et maintenant, voici une nouvelle pièce de théâtre. Et voici la pièce de théâtre. François. Non, pas François. Ah, c'est François est coincé dans l'ascenseur. Voilà, c'est ça. Allô, allô. Ah, ça, François. Alors, tu es où? Coincé dans l'ascenseur du magasin. C'est marrant. Ah, ouais, mais il est quelle heure maintenant? Il est 22h. Tu devras attendre jusque demain. Hein? Ah, le magasin, il est fermé maintenant. Ah ouais, hein. Ah, les pompiers sont en vacances, hein, quand les magasins sont fermés, les pompiers sont en vacances, hein. Et la police change le lambada, hein, quand les magasins sont fermés. Ah ouais, hein. Bon. Ah, mais c'est comme ça, hein. Tu dois attendre jusqu'à demain. Ah. Ça va prendre ou à laisser, hein. Ah, bah ouais. Hein. Ah, c'est malin aussi, hein. Ouais, mais quelle idée aussi d'être enfermé dans le magasin, hein, dans l'ascenseur, hein. Mais t'as pas... Ah, à 20h! Donc t'as pris l'ascenseur à 20h, mais c'est que les magasins, ils ferment à 20h, hein. Tous les magasins ferment à 20h, hein. Ah, oui.
Ah oui. Tous les magasins ferment à 20 h, hein. Jusqu'au 30 juin. Ouais. Ils arrêtent quand il n'y a plus de gens au robinet. Hein. Non, c'est pour rire. Non, je veux dire jusqu'au 30 juin. Oui. À partir du 30 juin, les magasins, enfin, les petits magasins, ça change pas. Hein. C'est toujours 18 h, 19 h, mais les grands magasins comme comme Carrefour, Colruyt et tout ça, enfin, Colruyt, ça n'a pas changé. C'est toujours à 20 h. Hein. Mais le vendredi, à partir du mois de juillet, ce sera 21 h le vendredi. Voilà. Et les Pakistanais, eux, c'est jusqu'à 22 h, 23 h, là. À 23 h, ils ferment et ce sont ceux de nuit qui ouvrent. Mais pas maintenant, hein, en juillet. Oui. 2022. Oui. En Belgique, une fois, oui. Ah ouais, hein. Ah ouais, même deux fois, hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, mais c'est comme ça. Il y a. Ah non, il faut s'attendre à ce que. Maintenant, aujourd'hui, on est mercredi. Donc, tu dois attendre jusque jeudi. Jusque demain. Ah oui. T'as de la chance qu'on n'est pas samedi. Sinon, tu dois attendre jusque 2 jours Mais t'as qu'à manger. Ah non, t'as rien à manger dans ton sac. Et tu dois le faire pipi. Mais pisse dans l'ascenseur, hein. Tant pis, c'est pas grave. Hein. Ou alors t'as pas une bouteille, eh bien pisse dans la bouteille. Hein. Voilà. À 20 h, le magasin ferme. Ah, tu étais dans l'ascenseur pour aller chercher ta voiture. Et l'ascenseur te met en panne. Mais t'as pas appuyé sur le bouton d'alarme, il est aussi en panne. On a ça alors, on dit. Quelle affaire à lui, tiens. Oui. Ah, mais on doit attendre jusque demain. Ah, mais oui, hein. Ah, mais c'est comme ça, ma poule. Tu t'attends jusque demain. Oui. Ah, c'est comme ça va prendre, on va laisser, hein. Enfin, ça va prendre, hein. Ah, oui, hein. Oui. Ah oui, hein? Oui. Oui. Ah oui, Raoul. C'est important, hein? Ah oui, hein? François. Ah oui, hein? Oui, François. Allez, au revoir. Et là, la pièce est terminée. Maintenant, voici les aventures et les histoires de Jeannot et Jeannette. Belle maman, vous allez venir, voici belle maman qui arrive. Bon. Allez. Et voici les histoires et les aventures de Jean et Jeannette. Allez, belle maman, ça sonne. Allô? Oui? Ah, ça, oui, c'est maman. Oui? Ah, ouais, alors? Oui? Oui? Ah, tu n'avais pas la papille? Oui, on te le passe. Le papy des deux Raoul. Ça va, maman? Ah ouais, hein? Et vous? Moi, ça va très bien. Ah, mais tant mieux, hein? Ah ouais, il le faut. Ah ouais, hein? C'est sur la frite, hein? Ah ouais, hein? Et l'omelette qui va avec, hein? Non, pas l'omelette, hein? Mais la pizza qui va avec. Avec les frites. Voilà. La pizza. Une pizza avec des frites. Ah ouais, hein? Voilà. Oui. Alors, papy, il dit qu'il est très content. Vous êtes où là? Parce que on est le 26, hein? Le 31, vous revenez, hein? Ah ouais, hein? Ah, on est le 26 au soir. On compte plus aujourd'hui. Donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et lundi, et oui. Si on compte pas lundi, ça fait dans 4 jours. Si on compte lundi, ça fait dans 5 jours. Ah ouais, hein? Aïe, Raoul. Aïe, hein? Y'a. Ah, y'a, Raoul. Y'a. Ah, oui, hein? Ah, tu l'as entendu? Ouais. Mais il n'y a plus rien de gratuit. Tout va devenir payant. Le système gratuit pour téléphoner gratuit
la webcam et tout ça, ça va devenir payant. Ça t'est racheté par Facebook. Ah ouais. Les acteurs, les chanteurs devront payer leurs vidéos en direct sur Facebook, sur YouTube. Ah ouais. Ah non, non, ils devront, non, non, ils devront payer ça à Facebook, hein. Ah ouais. Ah ouais. Le prix, je ne sais pas. Si ça fonctionne bien, dans un mois, Facebook et YouTube se feront des coups en or. Ah ouais. Ah non, le SIM pour téléphoner gratuit, il n'y a plus, hein. Par contre, le SIM pour téléphoner dans un autre pays étranger au même prix que tu téléphonerais à la Belgique, ça reste. Ça appartient à la communauté européenne et ça reste. Donc voilà. Ah oui, hein. Mais moins cher. Voilà. Ah oui, avant tu avais téléphoné jusqu'à la frontière. Mais maintenant, quand tu téléphones de la France vers la Belgique, c'est comme si tu téléphonais vers la France. Ah ouais, hein. Ah ouais. Ah bah ouais, hein. Par contre, pour la Belgique, ça n'existe pas. Non. Si tu téléphones de Belgique vers la France, tu dois payer un supplément. Ouais. Parce que pour la Belgique, ça ne fonctionne pas. Ah non, hein. Ah ben non. La Belgique, si vous êtes en France ou en Espagne, elle paye. Comme d'habitude, hein. Par contre, si tu téléphones d'Espagne vers la Belgique, c'est comme si tu téléphonais de Belgique en Belgique. Voilà. Voilà. La France, c'est pas si tu téléphones de la France vers la Belgique. Voilà. Si tu téléphones de l'Italie vers la Belgique, c'est comme si tu téléphonais de Belgique en Belgique. Voilà. Pourquoi la Belgique, elle peut pas? Parce que la Belgique doit montrer le bon exemple à tous ces connards. Voilà. Voilà. Par les pays européens, non, la communauté européenne. Mais t'inquiète pas, hein. T'es Sacha est derrière toutes ces conneries-là. T'es Sacha est derrière tout ça, tu vas voir, hein. Ça va chier là-dedans. Hein. Oui. Ah ouais, hein. Ah non, vendredi qui va arriver, c'est seulement ce vendredi-là que Alexandre Grand va annoncer comment ça va s'ouvrir, à quel point, à quelles conditions ça va s'ouvrir, et qui va ouvrir. Donc voilà. Et c'est jusqu'au premier, jusqu'au. C'est du 9 juin jusqu'au 1er septembre. Ah ouais? Non, non, à partir du mois de septembre, c'est pas fermé. Hein, non, non, non. C'est un essai. Au cas où ça fonctionnerait, et où tout fonctionnerait comme il faut. Si ça fonctionne bien, si ça passe bien, alors c'est à vie. Si ça foire et que ça redéconne, alors c'est de nouveau fermé, hein. Ah ouais, hein, à partir du mois de septembre. Hein. Donc c'est un essai. C'est à l'essai. Oui, c'est un essai. C'est un essai. Ah, ça apprend, moi, à prendre, hein, Raoul. Oui. Oui. Ah, mais le fond, Raoul. Il y a. Ah non, hein. Il y a. C'est un essai. Si ça marche pas, tant pis. Il fallait pas l'accepter, l'essai, alors, hein. Bon. Oui. Ah ouais, hein. Oui. Ah ouais. Si ça fonctionne, si l'essai fonctionne, si en septembre, le gouvernement voit que ça a bien fonctionné, que les malades n'ont pas augmenté et les morts non plus n'ont pas augmenté dans les hôpitaux, les morts n'ont pas augmenté dans les cimetières. Les malades à l'hôpital et les malades chez eux à la maison. Et les malades imaginaires. Tout ça, ça n'a pas augmenté. Ça n'a pas augmenté. À ce moment-là, ça restera ouvert. Même après le 1er septembre. Pour le moment, c'est un essai. Du 9 juin au 9 septembre. Pour le cinéma, le théâtre, les spectacles, les salles de spectacle. Les restaurants à l'intérieur et les cafés à l'intérieur. Voilà. La prostitution, t'inquiète pas. Tes soeurs vont s'en occuper de ça aussi, t'inquiète pas.
Parce que la NVA voudrait fermer pour toujours le port de la pute. Ouais, c'est ça, dans la prostitution. Ouais. Ils disent que les femmes n'ont pas le droit de faire ça. Non. Ils doivent avoir un mandat, un permis. Donc un permis pour faire l'amour. Un permis pour travailler. Un permis pour montrer qu'ils ont bien un permis. Un mandat pour montrer qu'ils ont bien un mandat pour faire l'amour. Ils doivent ils doivent faire des études, ils doivent avoir un diplôme, ils doivent avoir l'envie de le faire, le courage de le faire. S'ils ont tout ça, ils peuvent rester ouverts à répondre à l'NVA et qu'ils vont bien à l'NVA et au 1. Le plus vieux métier du monde. Là, il vient, cache dessus, pisse dessus, vomit dessus, chie dessus. Ça va, hein? Qui vont au diable à la NVA. Bon. Hein? Crotte à la fin. Hein? Ouais. Ouais. Ah, Roselyne, oui. Elle veut pas là son papy. Il n'y a pas de problème. Le papy de Roselyne. Allô, mon chéri? Oui. Ça va? Oui. Ensoleillé, oui. Pas trop chaud, non. Tant mieux. Le four, ma chérie, en moins, oui. Allez, au revoir. Voilà, oui. Ah, Jean-Jean et Jean-Philippe et Nicolas veulent parler à leur papy. Il n'y a pas de problème, hein? Oui. Allez. Le papy de Jean-Jean, de Jean-Philippe et de Nicolas. Oh, moi je m'amuse, oh, il est fou, oh, on met ça comme ça, oh, je comprends les gars, voilà. Oui. Ah, Raoul avec le H veut parler à sa femme. Il n'y a pas de problème. Allez, belle maman, je joue le tintin. Alors? Mon chéri, ouais, ça va? Elle est folle, hein? Ah ouais? Ah, c'est comme ça? Ah ben ouais, hein? Oui? Ah, c'est sûr, hein? Oui? Ah ben ouais, hein? Oui? Ben oui, c'est pas oui. Mais regarde, tu expliques à mieux que moi. Oui? Oui? D'accord, au revoir, Raoul. Oui? Ah oui, c'est vendu, Raoul. Là, cette fois-ci, c'est vendu, hein. En 2030, il n'y aura plus de billets, plus de pièces. Tout le monde aura niqué la carte bleue, la carte rouge, la carte verte, la carte violet, ou la carte bancaire contact. Ah ouais. Tout le monde aura l'utilisé. Ah ouais. Tout le monde aura la machine. Et ceux qui refusent seront obligés de fermer la porte pour toujours. En moins, avec une amende en prime. En moins, c'est scandaleux, hein. Mais bon, on n'est pas encore en 2030, hein. Jusque-là, tout le monde peut crever avec le virus, hein. Donc voilà. En moins, hein. Oui. En moins, Raoul. Oui. Ah, mais je te comprends, Raoul. Ya. Ah, ya, Raoul. Ah, mais ouais. Ah, mais c'est normal, hein. Ah, mais il le faut, hein. Ya. Ya. Ah, vous voulez pas la papy? Ah, je veux dire de Tintin et de Jeannette. Y a pas de problème, je le passe. Le papy de Tintin et de Jeannette. Alors, les gars, ouais, ça va, ouais, mais il le faut, ouais, mais c'est comme ça, ah, allez, au revoir, voilà. Oui, ah oui, hein. Oui, ah, c'est comme ça. Il paraît que les billets donnent toutes les maladies qui existent sur la Terre. Le cancer, le sida, la leucémie. La gale, la lèpre, la grippe, la bronchite, la pharyngite, le
le coronavirus, le cancer des cheveux, il paraît que les billets font grossir les gens. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Donc, il paraît, ouais. Il paraît que ça, ils vont supprimer tout ça parce qu'il paraît que ça crée plein de maladies. Ouais. Et aussi parce qu'ils veulent arrêter de casser, enfin de détruire les arbres pour faire des pièces. Ah ouais? Non, ouais. Non, non, les billets sont. Oui. Mais il paraît que les pièces, c'est du métal, normalement, hein, du métal. Mais il paraît que, donc, de la part des écolos, que le métal, enfin, que les vraies pièces, qu'on a inventé pour faire la monnaie ne vient pas du métal, non. Enfin, si. Mais il paraît, c'est un arbre à métal. Voilà ça. Un arbre qui fait appel du métal. Ouais, c'est ça. Un ben, c'est ça. C'est un arbre qui fait appel du métal. C'est un arbre en métal. Ouais, c'est ça. Il n'a rien à voir avec l'arbre en bois. Hein? Ah ouais? Il paraît qu'en 2045, les usines qui fabriquent les meubles ne vont plus jamais fabriquer de meubles. Ah non? Il paraît qu'on tue des arbres pour faire tout ça. Alors ils ne veulent plus fabriquer d'arbres, plus de meubles, plus rien. Ah non? Donc en 2030, il n'y aura plus de pièces ni de billets. En 2045, il n'y aura plus allez, d'armoires, enfin de meubles. Ah non. Et il paraît qu'en 2060, non. En 2050, il n'y aura plus de maisons. Non. Il paraît que les briques polluent. Ouais. Le carton aussi. Non, le carton ne pollue pas, mais il paraît que le carton. Le plastique, le papier, l'aluminium, le métal et le carton, tout ça, en 2045, il n'y aura plus. Non. Ah non, non. Et les caravanes, ça fait gitan, non, ça ne va pas non plus. Donc, il paraît que les gens devront, en 2050, les gens devront dormir dans une maison qui a été construite par leur. Par leur propre caca. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ah, une maison en caca. Ah ouais. Ça pollue pas et tout le monde le fabrique. Donc voilà. Ah ouais. Donc voilà. Hein. Ah ben ouais. Oui. Ah, il paraît, hein, faut voir si c'est vrai. Hein. Si on est sur Google, faut voir si c'est vrai. Hein. Si jamais c'est vrai, ce sera tout le monde l'aura dans le cul, hein. Ah ouais, ça c'est sûr, hein. Mais bon, il fait, ah non, non, c'est Sacha, ils essaient de régler tous les problèmes, mais ils ne savent pas régler tous les problèmes en même temps, hein. Il y aura certains problèmes qui passeront sur les mailles, hein. Ah ouais, hein. Bon. Oui. Ah mais c'est comme ça, Raoul. Oui. Ah mais c'est comme ça. Ah moi je te le dis, Raoul. Ça apprend ou apprendre, hein. Ou ça a laissé ou à laisser, mais si tu laisses, tant pis pour toi, hein. Si tu prends et que ça va pas fonctionner, tant pis pour toi. Si ça fonctionne et que ça fonctionne, voilà. Voilà. Ah ouais. Ah quand tout ira mieux pour le virus, je l'ai déjà dit hier. Quand on sera arrivé à 5 malades. Mais 5, hein, pas 500, hein, donc 5 tout court. Le chiffre 5 et c'est tout. Que le chiffre 5. Donc 5 malades et 5 morts. À ce moment-là, tout ira mieux. Voilà. On pourra de nouveau s'embrasser, s'enculer et de nouveau jouir. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Ah mais c'est vrai, Raoul. Ah ouais. Ah ouais. Non, c'est sûr, hein. Ah ouais. Oui.
Oui. Ah ouais, hein. Allez, au revoir. Voilà. En tout cas, tout va bien. C'est en train de ramer. Oui, ça doit ramer. Mais il s'approche doucement vers la Suisse. Hein, parce que c'est où on habite. On habite dans une, en Suisse, dans une maison de rêve où tout est, contrôlé et tout est fait par des robots. Voilà. Hein? La vaisselle, c'est des robots qui la font. La cuisine aussi. Le repassage aussi. La lessive aussi. L'aspirateur aussi. La poussière aussi. La vaie par terre aussi. Fait briller. Toute la maison, c'est fait par des robots. Hein? Répondre à la porte, c'est des robots. Hein? Signer les papiers, signer les factures, tout ça, ce sont les robots. Hein, payer les factures, c'est les robots. Hein. Enfin, pas les robots, mais c'est Internet. Mais Internet est un robot. Hein. Bon, alors. Hein, bon. Hein, bon. Et maintenant, les histoires et les aventures de Jeannot et Jeannette, c'est fini pour aujourd'hui. Eh bien, maman, oui. Non, Albert n'est plus là. Non, non, Albert, il est plus là. Je sais pas pourquoi. Il a peur de se faire violer. Mais dis, pas poney. Non, ça c'est de l'anglais. Ça chie à vomir. Mais dis, poney. Non, ça c'est nul. T'inquiète pas, mon lapin. Si Alpha n'est plus là-dessus, t'inquiète pas, hein. On le remettra sur des autres sites, hein. À moins qu'il chie ailleurs. Mais dis, papounet. Ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est nul. Ça. Ça, c'est nul à chier. Voilà Marguerite. Voilà Marguerite, la vache, de retour. Ouais. Et Marguerite, la vache. Ah. Fameux. Idiote. Mais va, ne vole pas trop vite, hein, Marguerite. Parce que les flashs. Ils sont là jusqu'en 2022. En 2022, il n'y aura plus de flash. Ah non, hein? C'est le bioman qui va les remplacer. N'est-ce pour rire? Tous les voitures vont un bip, bip, tu cours trop vite, bip, tu cours trop vite, bip, va les flics, bip, va les flics. Si tu cours trop vite, ils vont t'enculer ton portefeuille. Ah ouais? Alors, Marguerite, ne vole pas trop, hein? Non, non. Je vole plus maintenant. Je suis trop fatigué. Je marche. Ouais, mais marche pas trop vite, hein. Parce qu'en 2022, je serai plus là pour, pour te flasher, hein. Non, non. Je sais. Tu auras un signal sonore qui te préviendra, hein. Ouais, je sais bien. Bon. Comme tous les parents, ben, pas les parents, mais je veux dire les futurs parents, ils auront un bip qui préviendra, qui sera attaché au siège du bébé, et dès que l'adulte quitte la voiture, paf, ça va se mettre en route. Ah ouais, comme ça, on est sûr qu'ils n'oublieront jamais, enfin, qu'ils n'auront, enfin,
Comme ça, on est sûr qu'ils ne vont plus jamais oublier leurs enfants dans la voiture. Voilà. Alors, parce que c'est illégal, interdit par la loi d'oublier un enfant dans la voiture. Que c'est pour aller au magasin, que ce soit pour rentrer à la maison, que ce soit pour aller en visite, il est interdit par la loi de laisser son enfant dans une voiture. Voilà. En hiver, il peut geler, et en été, il peut mourir de chaud. Donc, il est interdit par la loi. Voilà. Voilà. Et en automne, s'il reste trop longtemps dans la voiture, ses bras peuvent tomber, ses jambes peuvent tomber comme les feuilles. Alors, voilà. Il y aura un bip qui préviendra les gens, enfin les parents. Comme ça, ils n'oublieront plus jamais leurs enfants dans la voiture. Et on va faire le même système avec les animaux. Voilà. Ah non, c'est comme ça. Et ça a été dit aussi il y a 3 jours. Donc, c'est pas une blague. Pour ça, le 1er avril, c'est en avril. Il est trop tard pour le faire. Donc, voilà. Et pour ça, demain 2, il est trop tôt. Donc, voilà. Meuh. Donc, voilà. Et donc, voilà. N'est-ce pas, hein, le flash? Ah ouais. T'as raison. Ah, mais bien sûr, il a raison. Meuh. Allez, au revoir, au revoir. C'est rien. Ah, des papillons, on sait rien. Ah, ça, c'est un autre invité. Ouais. C'est le fils du diable. Donc, le diable, c'est lui. Là, sa femme au diable, c'est elle. Et le fils du diable, c'est... Non, le diable, c'est lui. La femme, c'est elle. Le fils du diable, c'est... Viens. Voilà, c'est ça, c'est... Viens. Et voilà le diable. Aïe! Salut fiston! Alors, il va avoir du monde, hein? Ou en enfer? Ah ouais! J'ai déjà la liste! Elle va du sol au plafond. Ah bon? Il y a assez de place chez toi, au moins. Hein? Ah ouais? Mais il faut le dire, moi je fais le portier, hein, de l'enfer. Je sais. Bon. Alors, j'aimerais bien que tu me dises s'il y a cette place ou pas. Hein? Oui, il y a cette place. Ah, tant mieux. Allez, au revoir, au revoir. Voilà. Non, ça sert à rien. Ça a chier. Ça a vomir. Ça a chier. Ça a chier. Ça, c'est à chier. Ça, c'est là. Ça, c'est perfetteur. Donc, ça sert à rien.
Ça c'est rien. Ça chier. Voilà. Je vous présente l'homme invisible. Ouais. Le retour. Non, c'est nul. Non, c'est pas ça. Et ça, c'est Martine. Martine à la plage, Martine à la piscine. Et ça continue, il y aura Martine à l'asile. Bon. Salut Martine, ça va? Au revoir. Alors, quoi de neuf? Rien de spécial, non? Je traverse les murs, hein, c'est bien chez l'homme invisible, hein, en voyant. C'est sûr, hein, en voyant. Et toi? Moi? Ça va très bien. Hein? Si tu pourrais faire peur au fils de... Au fils de Véronica, ça serait bien. Bon, bah, qu'est-ce qu'il va faire encore? Ah, il fait rien, justement. Les exercices, il va encore rater son année, hein? Ça c'est sûr, hein? Enfin, il est déjà gère, hein? Ah ouais, ça c'est sûr, hein? Il est déjà gère, hein? Oh, Yodi, j'ai jamais vu un type pareil, hein? À moi non plus, hein? Oh, Yodi, allez, au revoir, au revoir, voilà. Non, ça c'est nul à chier.
Non. C'est fini les bonus. Voilà. C'est fini les bonus. Voilà. Allez. Voilà. Bon. Allez. Voudrais. Voilà. Vous avez Nathalie. Ah non, pas Nathalie. Ah non, ma maman. Ah non. Ah, vous, non. Vous allez vous entraîner à chanter parce que sinon on ne serait jamais prêt demain pour le 2022. Bon. Alors, on va mettre, voilà, le Flipper le dauphin, voilà, vous le voyez, il y a le bras, oui, bon. Alors, moi aussi ça va, il le faut, un mec il le faut. Alors, vous êtes prêts pour 2022? Presque, hein? Ben, sur les. Oui, sur les. Vous avez dit 200, mais il n'y a pas 200. Hein? Si on compte les alphas de 2000. Ah oui, ouais, évidemment, ouais, à ce point-là, ouais. Et encore! Bon, sur les 5, sur les. Il y en a plus que 15 qui sont pas encore prêts. 15. Ouais. Ça diminue, hein. Un nec, ça diminue. Un nec, ça diminue. Un nec, ça diminue. J'espère que ça va aller. Hein. Un nec, j'espère que ça va aller aussi. Hein. Il le faut. Un nec, il le faut. On l'espère tous, hein. En vrai, on l'espère. Enfin, en tout cas, moi aussi. Enfin, moi, je l'espère pour tout vous, hein. Ah, ben, ouais, hein. Ah, mais il le faut, hein. Un mec, il le faut. C'est normal, hein. Alors, ouais. Ah, ouais. Enfin, presque. En fait, moi, je suis prêt. Ah ben c'est bien ça, hein? Ah c'est bien, ah ouais. Ah mais le faux, hein? On est hein? Qu'il le faut. C'est la vie, hein? C'est comme ça, hein? On est c'est comme ça. Ah ouais. Et puis c'est comme ça, et puis c'est comme ça, et puis voilà. Ah ouais. Ah ben c'est bien, un accès bien. Et à part ça. Rien de spécial, hein. La routine. Ah ouais. Hein. La grande routine ou la petite? La petite, hein. Non, la grande. Ah, la grande, mais ça va bien. Ah ouais. Hein. Ah, il le faut, hein. Il y en a qui le faut. C'est comme ça, hein. Ah ouais, c'est comme ça, t'as raison, hein. Il y en a qui ont raison. À part ça, ouais, rien de spécial, hein. Non? Ah non, hein? La routine.
Un matin mieux pour toi, un matin mieux pour moi, la belle routine. Voilà. Ouais, vous avez deux invités, Milou et Flipper le Dauphin. Voilà. Non, mais lui, Milou, c'est pas gentil, lui. Non, non. Lui, je vais parler du groupe. Non, non, non. C'est pas grave, hein. Ah non, hein. Ah ben c'est bien, un achat bien. Il faut un nez qu'il le faut. Ah ben tant mieux pour toi, un main ouais. Hein. Ah ben voilà, un main ouais. Hein. C'est la vie, hein. Un nez, c'est la vie. Allez, au revoir, au revoir. Flipper était là. Je remets là. Et voilà. On se retrouve demain à 22h. Alors, demain à 22h.